Good morning, allez, Iden et Tus aujourd'hui. L'Elohim Nishmat Avram ben Yosef et Moshe ben Yaakov Tara Bakohen, ainsi que le Fouatra et Rikabatla, Sarah ben Nechama et Hanala ben Kitel le Vorabutor, Chakol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Psachim, Perek Zain, Mishnah Zain. A Pesach, Shinizrak Damo, Vachakach Noda, Shehu Tame. Atitz Meratze. Itma Hagouf, En Atitz Meratze. Mipene Shamrou. Atitz meratze, un nazir veut aussi pesach. Atitz meratze al tumat aguf, ven atitz meratze, excuse-moi, atitz meratze al tumat adam, ven atitz meratze al tumat aguf. Nitma tumat atehom, atitz meratze. Pardon. On commence à traduire directement. Un pesach chez Nizrak Damo, on parle d'un corban de pesach que l'on a importé au Bet Amigdash, comme il fallait, mais que quoi? Vachakach noda shehu tamé. Une fois qu'on a fini la zrika, on a aspergé le sang, il s'avère qu'on a découvert qu'il était en fait impur. On parle pour le moment du korban qui est impur. Et la Mishnah me dit « Atzitz meratze », le fronto du Kohen Gadol expie, il est meratze, il agrée malgré tout, il aide à ce que le korban soit agréé. Tandis que nitma hagouf, si le corps, la personne elle-même, elle était impurifiée, « En atzitz meratze ». Le titre, le fronto, ne va pas permettre d'agréer, qu'un tel korban soit agréé du ciel. Et on explique très simple, c'est pas compliqué. On parle qu'un korban, on avait appris quelques mishnayot en arrière, que lorsqu'on asperge le sang, il faut qu'il y ait de la viande à manger. Maintenant, si la viande elle est devenue impropre à la consommation avant qu'on asperge le sang, il s'avère que le korban pesach n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, peut-être que je dis d'avoir une autre introduction. Lorsqu'on fait le korban pessah, il faut asperger pour pouvoir permettre la viande, et la viande doit la manger. Si on a fait le korban pessah comme il faut, et qu'après qu'on a fini le korban pessah, en arrivant à la maison, le korban il est devenu impur, on ne peut plus le manger. Ce soir, on ne va pas manger de korban pessah, le soir de pessah. On aura quand même fait la mise à du korban pessah. D'accord? C'est une introduction peut-être évidente, mais que pas tout le monde avait forcément compris. Même si concrètement, on ne va pas manger le korban pessah le soir, on aura quand même fait la mitzvah d'apporter le korban Pessah, le 14 Nissan. Donc on s'est acquitté de notre mitzvah, on n'apportera pas le Pessah Sheni. On passera un Pessah sans manger de korban Pessah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça arrive. D'accord? Ça c'est avant de commencer. Maintenant, situation nouvelle. Le korban, je rappelle d'abord. On avait appris que lorsque j'asperge le sang, il faut qu'il y ait de la viande à manger ou des graisses à fermenter sur le misbéach. Imaginez maintenant que le korban, d'abord, on va prendre le cas le plus simple. Le korban, une fois qu'on a fait la shrita, qu'on a réceptionné le sang, tout l'animal, il devient impur. Il était en contact avec un chéret, un reptile qui rend impur, un rat mort. Alors, le korban, il est impropre à la consommation. Le sang, même si on l'asperge sur le misbéach, on va plus se faire acquitter du korban pesach. Parce qu'il n'y a plus de viande à consommer, il n'y a plus de graisse à fermenter sur le misbéach, il n'y a plus rien. Il est bon pour la casse, bon à être brûlé, comme ça on apprendra dans la prochaine Mishnah. On n'a plus rien à faire avec ce korban. Du coup, asperger le sang ne va pas faire fonctionner, ne va pas nous acquitter du devoir du korban de Pessah, parce qu'on ne t'a pas demandé de jeter du sang sur le misbéach quand tu fais un korban. On t'a demandé d'asperger le sang pour qu'il te reste une viande à manger. Mais là, hein, il manquait une condition inhérente de la mitzvah du korban de Pessah. Du coup, la Mishnah vient maintenant et m'apprend du zé. Il faut savoir que les habits du Kohen Gadol, les 8 habits du Kohen Gadol, et ils avaient, chacun, il expiait des fautes particulières. Chacun, il avait sa fonction, le fait de le porter, le Mirnasaïm, le Avnet, chacun, il avait il expiait sur des fautes. La particularité du fronto, c'était d'expier sur les Avon HaKodashim, en plus de l'orgueil et tout ça, sans plus de ça, concrètement, il y avait une grande toilette, un grand intérêt, que si toutefois on avait fait un korban en pensant qu'il était pur, et il s'avère qu'en fait il était devenu impur, sans qu'on le sache, quand tu vas réaliser en fait l'erreur qu'il était impur au moment du korban, a posteriori le korban il est validé parce que le tzitz il est meratzé, à partir du moment où tu ne savais pas. D'accord? On ne savait pas que ça était impurifié. On n'a pas fait attention, on a aspergé le sang. Après on réalise qu'en fait il y avait un chéretz mort ici, il y avait une souris morte à l'endroit où on a posé le korban. Du coup, quand on le relève, on réalise qu'en fait, quand on asperge le sang, le korban, il était déjà devenu impur. A posteriori, le titre, il est meratze, il va agréer
il va faire que le korban a été accepté malgré tout, et on s'est acquitté du devoir. Du coup, si le korban Pessah, maintenant, il est devenu impur, on n'a pas fait attention, on a aspergé, après on a réalisé qu'il était impur, eh bien, on s'est acquitté de la mise à du korban Pessah, on ne devra pas faire un korban, un Pessah Sheni. Par contre, Nitma Agouf, là, attention, c'est plus le korban qui a eu un problème, c'est moi qui ai eu un problème. Une impureté que j'ai pas fait attention, que je suis entré en contact avec un mort. Et j'ai pas fait attention. D'accord? J'étais, donc il y a eu le korban, et puis moi je regardais comment mon korban, il était en train de partir se faire asperger, puis d'un coup je réalise que j'avais le pied posé sur la main d'un mort par terre, peu importe. D'accord? Il y a quelqu'un qui est mort et j'étais impur. Maintenant, on parle d'une impureté que je pourrais plus me rendre pur pour le manger le soir, ouais. Parce que si j'étais en contact avec un mort, je suis parti pour 7 jours avec l'aspersion du sang, l'aspersion de la vache rousse, des sangs de la vache rousse au 3e et 7e jour. Donc du coup, je suis devenu impropre à consommer le korban Pessah. D'accord? Maintenant, puisque je suis devenu impur, mon korban, il n'a plus d'intérêt, il n'a plus de propriétaires qui vont le manger. Imaginez que j'étais le seul, ou bien que les trois personnes qui ont devait le manger ensemble, on a tous été impurifiés au moment. Il s'avère que le korban, on a aspergé le sang, alors qu'on était impropre à le consommer. Donc en fait, c'est ça s'appelle finalement un korban qui a été nishrat chez l'oleur klav. Il a été égorgé, alors qu'il n'y avait personne qui était capable de le manger. Le korban, il a été invalidé. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Et là, le grand chidouche, il est que même si on ne savait pas qu'on a été impurifié, le tzitz, le fronto, ne va pas faire agréer un tel korban. Parce que, mipene shamru, car ils ont dit, on a une règle en fait, une halakha de Moshe Mesinaï, que un nazir veut ses pesach, le même principe qu'ils ont trouvé aussi dans le nazir, lorsqu'il a pris ses corbanotes pour se faire expier, pour ensuite arrêter sa naziroute, et aussi pour le osé pesach, celui qui fait le korban pesach. Dans ces deux cas de figure, atzitz meratze al tumat adam, le tzitz va faire agréer l'impureté du sang, c'est-à-dire que si le sang il a été. Soit le sang lui-même impurifié, ou soit, comme ce qu'on a expliqué, la graisse et la viande qui ont été impurifiées, le tzitz, il a la capacité, malgré tout, d'arrondir les angles et de passer outre. Tu ne savais pas, le tzitz, il va expier, malgré tout, il va faire que la mise à du korban, elle a été acquittée. Par contre, vena tzitz merazel, tomatagouf, le tzitz ne va pas faire agréer un korban, alors que si le propriétaire il était lui-même impur et qu'il était inapte à faire ce korban, c'est ça. Ou ce korbanot de nazir. Le nazir, qu'on a dit, le nazir, lorsqu'il finit sa naziroute, il doit apporter des korbanotes. Maintenant, nouveau sujet, dans le même principe, nitma tumata tehom, atzitz meratze. Le tehom, c'est l'abîme. Ouais, quelque chose d'inconnu. La Mishnah m'enseigne, si moi, le propriétaire, je reprends, moi, si je suis impur, mon korban ne marche pas, et même si je ne sais pas que je suis impur. Toutefois, il y a une impureté spéciale, particulière, qui va faire que si j'étais impurifié, si moi-même j'étais impur, pendant que mon korban il a été fait, malgré tout je me suis acquitté de mon korban. Quel type d'impureté spécifique? La touma tatéum. La touma qui est enfouie. Soit, on parle d'un cas très particulier, on parle que j'étais en fait en contact avec un mort, mais un mort qui était enfoui sous la terre, sans que personne ne sache au monde qu'il y avait un mort à cet endroit-là. Alors là, ça s'appelle une touma tatéum, c'est une touma qui n'a jamais été dévoilée. Si après coup, on va réaliser que pendant que je faisais mon korban, je me tenais exactement à l'endroit où on a découvert ensuite qu'il y avait un mort. Il s'avère que maintenant, pendant que j'ai fait mon korban, j'étais déjà impur. Malgré tout, la Mishnah m'enseigne que « Atzitz meratze » le titi va expier, et tout ça c'est d'Alakha la Moshe Mesinaï, il n'y a pas de logique explicite, quoi, il y a pas... C'est comme ça. Le titi, il va permettre de passer outre les écarts, les erreurs de l'impureté du korban, mais pas du propriétaire, sauf si le propriétaire est impurifié par la Touma Tateom, la Touma qui est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que personne au monde ne pouvait savoir qu'il était impurifié. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov Salam.